En 2018, nous sommes sollicités pour accompagner un équipementier, principalement automobile, qui perd de l'argent et qui ne trouve pas de solution à son redressement. C'est alors que nous proposons la candidature de Jean-Paul Audouin, qui interviendra finalement en deux occasions dans cette entreprise. La première occasion sera celle d'un retournement, la seconde d'un restructuring. Jean-Paul, quelle était la situation de l'entreprise au début de la mission ? Au début de la mission, j'ai trouvé une entreprise en difficulté financière, avec des dettes aussi bien auprès des fournisseurs qu'auprès des autorités, les banques et les allocations familiales. Et quelles ont été tes premières actions en tant que directeur général de transition ? Mes premières actions consistaient à rechercher les causes de ces pertes financières, principalement avec l'appui du contrôle de gestion, pour rechercher la connaissance des prix de revient et des prix de vente. Et par la suite, donc, est venu le temps de l'action après cette analyse ? Après cette analyse, nous avons contacté chacun des clients auxquels nous livrions des produits à perte. Et nous avons expliqué à ces clients que la survie de l'entreprise passait par un rééquilibrage des prix de vente. Et nous avons indiqué à l'ensemble de ces clients quels étaient les niveaux de prix que nous souhaitions. D'accord. Et pour pouvoir négocier avec ces clients, entre autres, est-ce que tu t'es appuyé sur d'autres tierces parties ? Alors, nous avons fait appel au CIRI, Comité interministériel de restructuration industrielle, parce que le principal client, qui est en fin de compte un tier one supplier de l'industrie automobile, refusait à tout prix les hausses de prix que l'on proposait, malgré la communication d'éléments confidentiels sur les marges que nous réalisions sur les produits. D'accord. Donc nous avons proposé au CIRI de nous aider dans la recherche d'une négociation. Ok. Comment s'est déroulée finalement cette période ? Comment pourrais-tu la qualifier ? Assez brutale, puisqu'il a fallu intervenir auprès du client pour l'informer de notre décision d'arrêter la vente et la livraison à ses usines des produits à perte. Ok, et donc de quelle manière finalement se solde cette négociation ? Grâce à l'intervention du CIRI qui a démontré au client que si nous poursuivions ce dialogue de sourds, nous allions arrêter les livraisons de l'ensemble des produits pour l'ensemble des usines de l'Europe et que cette décision pouvait entraîner des blocages au niveau des constructeurs automobiles français, que ce soit Peugeot, que ce soit Renault ou Citroën. Et donc la direction du CIRI est intervenue au niveau le plus élevé chez cet équipementier pour le mettre devant le fait accompli et lui expliquer qu'on ne pouvait en France arrêter les lignes de production des constructeurs. Mmh. Et donc, auras-tu atteint le résultat escompté ? Alors, nous l'avons atteint par étapes, puisqu'il fallait que le client accepte une remise à niveau des prix qui entraînait plusieurs millions d'euros de hausse de prix, et que ce client devait ensuite revenir chez les constructeurs automobiles pour essayer d'obtenir une hausse de ses prix auprès des constructeurs. D'accord. Donc, cette première étape, finalement, cette première mission ? Alors, cette première mission s'est bien terminée puisque nous avons récolté, entre guillemets, plusieurs millions de dollars de cet équipementier, lequel équipementier a obtenu à peu près la même somme auprès de ses clients. Ok. Ta mission s'arrête là ? Ma mission s'arrête là et non, puisqu'il faut que je nomme et que je sélectionne un successeur, ce que j'ai fait à la demande du client. Ce que le client a refusé, il a préféré un autre candidat qui va entraîner la suite de la mission. Voilà, alors ce qui va entraîner, on va dire, la continuité effectivement de vie de cette entreprise, puisque, bon, je le rappelle, on était en 2018, on arrive en 2019, 2020, hein, mars 2020,
arrive le Covid, et puis tout ce qu'il va, et toutes les répercussions qu'il y a pu y avoir depuis. Et donc, on te ressollicite, en fait, pour intervenir à nouveau dans cette entreprise en 2021. Fin 2021, oui. Ouais, fin 2021. Et donc, finalement, à ton arrivée, quelles sont les conditions financières et industrielles que tu retrouves ? Alors, je retrouve une situation pire que je l'avais trouvée en 2018. Puisqu'en l'espace des deux années écoulées, 2019 et 2020, 2020 et 2021, pardon, l'entreprise avait perdu plus de 6 millions d'euros. Ah oui. Donc, quelles actions décides-tu alors de mettre en place et obtiens-tu la même réponse des clients, des différentes parties prenantes, hein, qui avaient déjà été mises à contribution deux années auparavant ? Alors, la démarche a été à peu près identique. Cependant, entre-temps, la technologie des produits que nous fabriquions et qui étaient destinés aux clients a évolué. Et nous nous sommes retrouvés devant une perte de marché, non pas à cause des produits que nous livrions aux clients, mais plutôt à cause de l'évolution de la technologie, qui fait qu'un certain nombre de phares de voitures ont pu être réalisés à base de plastique PMMA et concurrencer le verre. Ok, donc tu vas avancer avec les clients malgré tout un petit peu de manière similaire. Tu vas retourner vers le Siri. Comment quelle partie prenante finalement? Dans un premier temps, nous avons cherché un dialogue, à construire un dialogue avec cet équipementier. Cet équipementier est en position de force sur le marché européen de l'éclairage, a refusé le dialogue et effectivement, après un refus qui a duré environ deux mois, nous avons été obligés de faire appel au Siri à nouveau. Une seconde fois, lequel Siri a organisé des rencontres entre l'équipementier en question, nous, et éventuellement un constructeur automobile. Cette fois-ci, le client a accepté des hausses de prix très brutales. Et nous a prévenu que notre produit serait remplacé par du plastique dans l'année qui allait suivre. Et quelle était la situation juridique, finalement, le statut juridique de l'entreprise à ce moment-là ? La société a été obligée d'entrer en procédure de redressement judiciaire. Ouais, ouais. Et donc, alors, la société rentre en procédure de redressement judiciaire, hein, la réponse du client principal n'étant plus la même. Et donc, la nature des actions peut-être change alors à ce moment-là. Alors, la nature des actions, bien sûr, a changé. Non seulement nous avons été obligés de poursuivre le redressement judiciaire, nous avons envisagé la liquidation. Et au dernier moment, nous avons proposé à l'ensemble des clients d'arrêter la fabrication du verre. Donc nous avions un verre de capacité de 80 tonnes, 80 tonnes de verre à 1600 degrés. Est arrivée à la même époque la hausse du coût de l'énergie. Donc nous en avons tiré les conclusions que le coût de l'énergie passant de 3 millions d'euros à 11 millions d'euros par an, il était préférable d'arrêter l'activité. Et tous nos clients mondiaux, puisque nous faisions 85% du chiffre d'affaires à l'export, ont été prévenus d'un arrêt de la production et d'une fermeture du four. L'ensemble des clients sud-est asiatiques, américains, français, nous ont aidés, nous ont demandé des livraisons pour garantir une survie de leur production, le temps de chercher une alternative. Donc nous avons augmenté nos prix en commun accord avec les clients, en disant « on veut bien vous livrer, mais il faut accepter la hausse du coût de l'énergie ». Donc nous avons multiplié le prix de nos produits par un facteur 2, 3 ou 4 selon les clients, ce qui nous a permis de constituer un petit trésor de guerre, non pas pour nous, mais pour payer les fournisseurs, les dettes que nous avions à l'extérieur. Alors tu es, en tant que manager de transition, tu es en première ligne. Tu représentes le client, bien entendu à côté de l'actionnaire. Bien entendu, tu travailles avec donc un administrateur judiciaire, avec des avocats. Quel est ton rôle exact en tant que manager de transition, de liaison entre ces différents acteurs ? Alors le manager de transition est à la fois un chef d'orchestre, puisqu'il faut animer toutes les parties prenantes.
C'est à la fois un manager parce qu'il faut conforter les équipes en place, les équipes de direction. Certaines n'avaient jamais rencontré la situation de redressement judiciaire. Il faut également penser aux employés, aux salariés. Donc il faut s'adresser à l'ensemble de la population qui vit dans cette entreprise et autour de l'entreprise. Il faut rassurer les fournisseurs pour leur expliquer que, bah écoutez, oui, c'est la fin. Et nous ne savons pas encore comment nous allons pouvoir régler le problème financier que nous avons avec vous. Il faut rassurer tous les clients pour assurer que les produits seront facturés et livrés dans les délais impartis. Et puis, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut prendre la décision de fermer. Et là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est en train de se décider en ce moment. Voilà, c'était ma dernière question. Hein. Quelle était la situation de l'entreprise aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, l'entreprise est en phase finale de redressement judiciaire. Des acteurs sont présentés à la dernière minute pour essayer d'acheter l'entreprise à la barre du tribunal. Et je n'en sais pas plus aujourd'hui. La décision sera prise dans les semaines qui viennent. Très bien. Merci pour ton temps, Jean-Paul. Merci pour cet échange. Ça fut un plaisir.